Coucou Sophia, comment ça va? Bon alors du coup, on va commencer. Alors ce soir, si vous avez vu sur Instagram, nous allons faire notre recette de barquette version financier. Donc du coup, comme toute cette semaine, nous allons utiliser notre moule barquette financier. Notre moule barquette. Coucou! Ah, top! Un yaourt avec la boréalia, évidemment. Nous aussi, c'était yaourt à la boréalia ce soir. Donc, du coup, avec notre moule barquette amande, il s'appelle, que je viens placer sur la plaque en alu perforé. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, mais je l'espère, toutes les recettes que j'ai déjà faites cette semaine, je vous les ai mises en photo sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à aller commenter. C'est important. Donc là, ce soir, on fait la recette des barquettes version financier. Vous avez été plusieurs d'ailleurs à demander encore hier soir en live. Donc du coup, on va commencer par mélanger donc les blancs d'œufs avec le sucre. Donc déjà, pour faire le tour de nos ingrédients, on aura besoin de 4 œufs, de 150 g de sucre en poudre, un sachet de sucre vanillé, un demi-sachet de levure chimique, 100 g de beurre et 60 g de farine, j'ai bugué, 60 g de farine, 80 g de poudre d'amande. Et après, pour la déco, c'est comme vous voulez, du chocolat, de la confiture, des fruits, voilà, c'est vous qui voyez. Donc là, on commence par mélanger le sucre et les blancs d'œufs. Donc encore une fois, moi j'utilise le sucre de canne. Bonsoir. Alors n'hésitez pas à tapoter quand vous arrivez ou à partager le live. C'est gratuit, ça fait plaisir et moi ça m'aide. Voilà. Donc on mélange bien. Donc évidemment, j'utilise mon cul de poule avec le support. Je vous ai fait la démo hier soir. Vous voyez que là, je peux mélanger énergiquement à une main. Ça fonctionne très bien. Là, j'enlève le support. Je vous montre. Hein. Sans le support, on ne peut pas. Voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment super utile parce qu'il y a des fois, ben, on a besoin de sa main là pour soit verser un autre ingrédient, soit faire autre chose, regarder une recette, enfin voilà. Donc c'est super pratique. Ensuite, je vais ajouter la farine. Et coucou Lola! Comment ça va? Bonsoir Mysterious. Donc on mélange. Je vais ajouter donc la levure chimique. Donc un demi-sachet. Avant la recette, j'ai évidemment fait préchauffer le four à 200 degrés. Là, j'ajoute tout de suite aussi le sucre vanillé. Oui, ça a été la journée. Mais là, je suis vraiment KO. Oui, la grosse feignante. Blablabla. Mais oui, je suis fatiguée et je le dis. C'est tout. J'ai le droit d'être fatiguée. Je me suis levée à 5h30 ce matin. Et je suis rentrée à 17h40 ce soir. Donc là, j'ajoute ma poudre d'amande. Ça a dû vous casser les oreilles, le bruit. Là, par contre, je vais reprendre à la spatule pour pas trop écraser en fait la poudre d'amande. Ah.
Là, je vais aller faire fondre aussi en attendant le beurre. Donc dans le bol micro-ondes, vous savez, le bol micro-ondes, je vous le dis à chaque fois, c'est vraiment révolutionnaire parce que contrairement au bol qu'on a dans la vie de tous les jours, on ne se brûle pas une fois que le beurre est fondu. Là, vous allez voir, on peut le mettre au micro-ondes, on le fait fondre et quand je le reprends, je peux l'attraper par en dessous, c'est pas chaud du tout. Mysterious. Donc en attendant, je mélange avec la spatule double en bout. Donc au départ, le blanc d'œuf et le sucre, j'ai mélangé avec la cuillère magique. Donc cuillère magique, elle porte bien son nom, elle est vraiment magique pour tout ce qui est mayo ou mélange quand vous n'avez pas beaucoup de préparation. C'est vraiment vraiment top. Donc là, j'ai pris le relais avec la spatule double en bout pour ne pas trop casser du coup la poudre d'amande. Hop, là je vais aller voir si le beurre est bien fondu. Oui, allez-y, tapotez. Là, je remets encore un petit peu le beurre parce que je vous le dis aussi à chaque fois, mais quand on fait fondre du beurre ou du chocolat, il vaut mieux mettre petit à petit en fait, que si vous mettez tout de suite trop longtemps, ça risque de cramer ou de ne pas avoir le résultat attendu. Donc il vaut mieux faire petit à petit et s'assurer à chaque fois de l'évolution en fait de la cuisson. Ah, oh, mais t'es tendue, Natacha. T'es tendue. Donc, vous voyez, là, je sors du micro-ondes. Je peux le tenir en dessous, il n'y a aucun problème. Je peux le prendre sur le côté, il n'y a aucun problème non plus. Que si vous le faites dans un bol comme ça. Vous allez vous cramer, je vous le dis. J'ai l'impression que j'ai un truc dans les dents. Bon alors du coup là, je vais pouvoir ajouter le beurre fondu. Voilà. Et là, notre recette sera déjà terminée. Merci pour le partage, Camille. N'hésitez pas à tapoter et à partager. C'est gratuit, les amis. N'oubliez pas. Des petites actions comme ça, gratuites, allez commenter, allez liker. Tapoter, partager, c'est gratuit, mais nous, ça nous aide beaucoup. Coucou! Donc là, je mélange. Putain, je suis enrouée. Je sais pas ce qui se passe. Merci pour les partages. Hop, donc là, on voit que le mélange est vraiment bien homogène. Vous voyez aussi, ça c'est aussi un avantage du support, c'est que votre bol, vous pouvez le placer comme vous voulez. Hop. Donc là, je vais pouvoir prendre la louche et venir mettre dans mes petites empreintes. Alors on met ça de côté, on prend notre petite louche.
Donc toujours la louche, c'est la louche graduée. Alors c'est, vous allez me dire à quoi ça sert une louche graduée. Bah, la louche graduée, c'est super pratique si vous avez une certaine quantité en fait à mettre, que ce soit de l'eau ou même si vous voulez en fait remplir vos empreintes et mettre la même quantité dans chaque empreinte. Et ben là en fait vous avez des graduations qui vont de 10 ml à 80. Donc c'est vraiment super pratique. Donc là je vais pouvoir remplir mes petites empreintes. Donc comme d'habitude, hein, c'est pas beurré, c'est pas fariné, le fond du moule. Il n'y a pas besoin de graisser. La qualité du moule se suffit à elle-même pour un résultat optimal. Et oui Lola, hein, elle est vraiment pratique. Mais c'est vraiment quand tu as ou que tu essayes que tu te rends compte en fait. C'est comme la qualité du moule. Hein. Céline, elle a vu et elle m'a dit « Punaise, j'ai montré à mon chéri. » Et c'est fou en fait. C'est quand tu l'as dans les mains que tu te rends compte de la différence de qualité en fait comparé à un moule d'action ou de je ne sais où, tu vois. Hop. Donc là, on remplit jamais vraiment jusqu'en haut. Alors pareil, après, si vous voulez un fini plus net, ce que vous pouvez faire, c'est du coup y mettre la toile de cuisson pour que le dessous en fait reste bien plat. Alors après, bah, c'est vous qui voyez. Hein. Moi hier, quand j'ai fait celle au chorizo par exemple, j'ai pas mis la toile dessus parce que ça ne me gênait pas forcément que ce soit gonflé. Voilà, c'est pas bien grave. Par contre, quand j'ai fait mes barquettes, vous savez, les barquettes de notre enfance, là, les barquettes Lu, là par contre, je l'avais mis parce que je voulais vraiment le résultat typique de la barquette. Et les barquettes Lu, on voit bien que le dessous est plat. Donc du coup là j'ai mis la toile, mais après quand c'est d'autres préparations et que voilà, enfin ça vous importe peu que ce soit plat ou pas, mais en tout cas vous savez que quand vous voulez, comme un gâteau, comme n'importe quoi, quand vous voulez pas trop que ça gonfle sur le dessous, et ben du coup vous avez juste à mettre la petite toile de cuisson. Toile de cuisson qui, je le répète, nous évite d'acheter du papier cuisson. Coucou, est-ce que tu vas faire des recettes de bûches de Noël? Eh bien, je pense que oui, cette année, je vais en faire. L'année dernière, il me semble que j'en avais fait qu'une. Alors, je sais pas comment je vais faire. Il faut que je vois. Parce que le truc, c'est que c'est assez long. Normalement, les recettes de bûches. Mais là, étant donné que cette année, j'ai la Borealia, bah forcément, ça va plus vite. Parce que du coup, si tu veux faire une bûche glacée, eh ben, en fait, tu mets tout simplement ta glace dans le moule à bûche avec la toile décor de ton choix. Et du coup, c'est déjà glacé. Donc, ça va quand même plus vite. T'es pas obligé d'attendre couche par couche. Enfin bref, c'est tout un truc. Là, je vais juste enfourner déjà. Donc là, j'ai bien rempli toutes mes empreintes. Et j'enfourne du coup 20 minutes. Voilà, 20 minutes à 200 degrés. Et donc, si vous voulez que le dessus soit plat, vous ajoutez la toile de cuisson. Vous ajoutez la toile de cuisson par-dessus à mi-cuisson. Voilà. Donc, du coup, oui, je disais, je pense que je vais faire. Après, il faudra que je m'organise. Donc, soit j'arrive à le faire en un seul live, soit... enfin, en un seul live... Genre je fais un live et le lendemain on refait un live peut-être pour vous montrer le résultat et on enchaîne avec une autre recette. Mais voilà.
Alors j'ai Instagram et YouTube. Donc sur YouTube, par contre, tu as tous les replays ou toutes les vidéos recettes. Et faire en deux lives. Oui, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit je peux commencer et puis après bah, s'il faut faire poser la nuit ou machin, eh ben, on démoule ensemble en fait le lendemain par exemple. Je sais quoi des financiers. Bah c'est y a plus de poudre. Enfin il y a de la poudre d'amande. Ah oui, c'est pas le même goût, oui d'accord, la chinoise c'est pas la même. Non. Mmh, ok. Mais ah ouais, je suis beau, ouais. Tu vas en boire. Voilà. Donc là, ce serait bien de laisser refroidir. Mais évidemment, tu peux attendre un. J'ai trop peur de me... J'ai trop peur de me brûler encore, encore et encore. C'est que le début, d'accord, d'accord. Ouais, un bon dépistage, ça va bien ensemble. Oh, regarde. Regardez. Oh. Magnifique. Donc là, vu que... Et c'est beaucoup trop chaud. Du coup, là, j'en ai sorti que 4 que je vais garnir pour vous montrer quand même le résultat quand c'est garni. Mais les autres, j'attends que ça refroidisse parce que là, c'est beaucoup, beaucoup trop chaud. Tu as déjà fait des calissons dans ce... Alors, je sais même pas ce que c'est, des calissons. Honte à moi. Donc, je vais commencer par la pistache. Il en reste plus beaucoup hein, de la pistache. Allez, allez, non mais vos idées. Alors là, caramel. Wow. Voilà. Bah, ça a marché l'opio. Et confiture. Et du coup, c'est des gens qui vendent des trucs. Mais comme l'année dernière, Malone. Je me rappelais plus, c'était comme l'année dernière. Mais c'est comme un marché aux puces, où il y a des gens qui vendent des trucs. Oui, mais en plus, t'as la musique, okay. Les trucs comme ça, là. Il y a quelqu'un qui tousse beaucoup. Effectivement. Mais vous savez, des fois on va chez le médecin.
Et des fois, on a des traitements. Et des fois, malgré tout, la toux, elle persiste. Vous voyez, moi, genre, j'ai pas de... je suis toute enrouée. Mais au-delà de ça, je n'ai absolument... Parce que ça, je l'ai genre depuis ce matin. Mais sinon, je n'ai absolument aucun symptôme. Par contre, depuis le mois de mai, je tousse. Vous vous souvenez de mes quintes de toux? C'était quelque chose d'incroyable. Et ben là, depuis le mois de mai, je tousse de la même façon, beaucoup moins souvent, mais le soir ou par moment, j'ai des quintes de toux toujours pareil. Et ben en fait, j'ai eu des traitements, tout ça, voilà, je suis allée chez le médecin, les enfants pareil, seulement ben la toux dure et le médecin ne peut rien faire parce qu'il n'y a pas de symptômes, la gorge n'est pas rouge. Il n'y a pas de fièvre, il n'y a pas d'otite, il n'y a pas d'infection, il n'y a rien en fait. C'est juste qu'on tousse, c'est comme ça. Et apparemment, il y a beaucoup de personnes dans ce cas-là. Voilà. Donc, c'est comme ça, malheureusement. Bon, alors du coup, comme ça, vous avez vu le résultat. Regardez-moi ça, amande pistache. Oh. Alors là, par contre, le caramel, j'aurais dû attendre que ça refroidisse parce que du coup, ça a été absorbé. Ça a été absorbé par le gâteau parce qu'il est bouillant. Enfin, là, du coup, il est un petit peu plus frais, mais il était trop chaud. Et la confiture. Donc du coup là je vais vous préparer la petite photo, je vais attendre que ça refroidisse encore un peu et puis bah, je vais pouvoir garnir tous les autres et vous faire la photo pour Instagram. Donc n'hésitez pas à aller sur Instagram, commenter, je le répète encore, je sais que je suis chiante mais c'est tellement important pour nous, vous le savez. Voilà, commenter, partager sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que nos vidéos sont en replay sur YouTube, mais il y a aussi des vidéos exclusives YouTube. Bon allez, je vous laisse, bonne soirée, n'oubliez pas, on follow, on partage, on like, on commente, on tapote, voilà tout. Allez, bisous.